Fabinho, on sent une volonté de prise. Fabinho. Keita Baldé en remise avec Fabinho. Oriente dans le Silva. Falcao qui est passé. La frappe de Radamel Falcao. Repoussé au premier poteau par Stéphane Ruffier. Alors que la pluie s'invite, Xavier. Oui, puis ça redouble hein, d'intensité, effectivement, cette lancé proprement avec Silibé, Moutinho, Fabinho. Clémar qui est venu sur Yabut derrière ou très souvent. Oui, parce que vous avez vu ce ballon, hein, il était cafouillé hein, par Mbeng. International sénégalais. Un bon travail de décrochage de Diony. Évidemment, levé, repoussé par Pajot. Fabinho. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Radamel Falcao. S'il venait à s'incliner ce soir, ça pourrait être compliqué. Encore un petit peu le haut du virage. Ouais, bien joué Fabinho, super. Ça ce sera pour personne si ce n'est pour Cabella. Il peut lancer le contre Emi Cabella. Oh, très très gênant, Falcao Lemar. Au départ de l'action, ils sont à hauteur de quelques latéraux qui doivent commencer à travailler du spécifique démarrage. Hein. Bon pour Maïga. Il a glissé Pajot. Ballon mis à. Oh oui. Ouais, bon retour de Moutinho, le tacle. C'est le piège. De croire que ça ne puisse pas leur arriver. Fabinho abriendo para. Ya hemos dicho que el. Cuidado con este disparo. El tercero acaba de marcar. Creo que Fabinho, que quería festejar su partido 150. A ver. Camiseta para no olvidar nunca la remontada que hemos hecho hoy. Consiguiendo dejar este balón ya para la subida de Maiga. Recuperación por parte de Fabinho. La pide Falcao. Balón para Keita Baldé. Otro. Y van cuatro. 0-4, ha marcado Keita Baldé. Vaya. Los gritos de Julien Sablé, ex jugador del Saint-Étienne, por cierto, del 98 al 2006. La tarea es un poquito complicado para un técnico sin experiencia con solamente 37 años. Fabinho, aquí hay autopista ahora. La ha visto perfectamente. La semana pasada contra el 3, con un doblete que ha salvado literalmente. La juega Yagesal, se prepara Carrillo. Muy... Ah, se está lamentando, Falcao quiere un duelo directo para los del Saint-Étienne contra Monaco. Pero quizás podría haber gritando eso a Sandius, que es el que esperaba esta pelota. Ojo en el Monaco. Para Diakabi, sí, para entrar. Sería su 11. Y el Silva dejando para Moné Paqué otra vez. Intenta desde aquí, rebota. Casi nada hoy en el campo. Y se acabó. Es lo que habíamos dicho. Se cumple el minuto 90. No quiere hacer más daño el colegiado a Mauri de Logo. Y esta es la despedida.